Hey, 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 cucu mes petits culs, et bienvenue pour ce dernier épisode, je pense, du Let's Play Heure de Gloire avec Ibrahim. Ibrahim, le glorieux Ibrahim, la superstar mondiale. Ben là, il fait un gros dodo, oups, pendant que ses petits enfants partent à l'école. Parce qu'il est l'heure, ils sont même en retard. Ouais, allez, vas-y, mon petit. Toi, tu vas te faire des amis. Et puis toi aussi. Oh, il ronfle, c'est moi. Ah non, je crois que j'ai bien entendu ronfler. Et toi aussi, tu feras des amis. Notre objectif du jour va être de déménager dans la maison d'anciennement Judith Ward. Ah si, si, on fait un peu. Et terminer l'aspiration d'acteur. Voilà, il veut être un grand acteur. Il faut juste qu'il fasse un rôle en or dans une pub et compagnie. On n'a pas grand-chose à faire en fait, puisqu'on a déjà pas mal avancé. Gagner l'or pour une publicité. Gagner l'or dans une série télé et gagner l'or dans un rôle d'un film. Donc ça devrait être plutôt bien, plutôt facile. Et dès qu'il sera levé, j'irai voir si on peut pas aller sonner directement à la porte de chez anciennement Judith Ward, mais Penelope Cruz maintenant. Voilà la maison que je convoite. Oui, il peut pas venir ici, hein. Si? Ah si, il peut venir ici. Ah, c'est super beau, hein. Regardez-moi un peu cette maison. Il a l'air d'avoir. Ouh là là, il a l'air d'avoir des pas mal de choses. En tout cas, il n'y a personne. Elle n'est pas dispo. Et puis, comme on n'a pas noué d'amitié avec Pénélope, on peut même pas frapper, alors qu'on est superstar. L'endroit est quand même super sympa. Alors, j'ai entendu dire que vous étiez une personne fantastique. Ouais, vas-y. On fait des dons, on est comme ça. On n'est pas encore méga riche, hein, mais bon. Alors? Waouh! On va dire. Viens ici. Tu vas faire une photo. Tu vas prendre une photo. Et on va voir le panorama. Hey, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Et notre future maison. J'espère, parce que franchement. Bon, elle est un peu floue, hein. On va la mettre sur les réseaux. Tu vas même faire une story, tiens. On t'y est. Tu vas dire, wesh, wesh, les gars, vous avez vu, regardez, je suis au top. Et dans ton inventaire, un tac. Non. Là. Ouais, tu peux. Ah non, bah, tu peux la vendre pour publication. On s'en fout. Ça fera pas grand-chose, mais. Voilà. Pendant que les enfants rencontrent d'autres enfants, est-ce qu'elle est revenue chez elle? Non. Bon. On va devoir la chasser. Oh oh. Ça, c'est qui? Non. C'est pas elle. Quel dommage. On va devoir chercher. On va devoir la chercher dans la ville. Allez, c'est parti. Hein. Dis donc, ils sont chiants, hein. Bon, on va refaire un don. Parce que sinon, après, on va avoir une mauvaise répute, quoi. Elle est là! Elle est là! Elle est là! Elle est là! Regardez! Elle est devenue vieille! Et c'est elle! Oh là, ouf! Oh la saleté! Oh punaise! Ah là 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 là! Ok. Va falloir qu'on se présente. Comment on peut. Ouais. Faire câlin à la fan. En tout cas, elle est là. Ouais, voilà, on va essayer de discuter comme ça. T'arrêtes de chanter. On s'en fout d'elle. Non, s'en fout. Faut la choper, elle, là. C'est notre objectif principal. Ça y est, ça y est, ça y est. Quoi? Non, on s'en fout. Hurler sur. Non, signe un autographe, je pense qu'elle est pas d'humeur. Ouh là là, lui déjà non plus. Attends, 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 l'audition, merde, l'audition. Il faut absolument qu'on lui parle. En mode normal, quoi. Depuis quand? Vas-y, écris ton adoration, j'en sais rien, c'est bon pour ta notoriété apparemment, mais vous êtes au même niveau, hein. Faire un câlin, je sais pas. Ah. Elle est dépassée, bah oui, elle est vieille maintenant. Allez, faut que tu enchaînes. Faut que vous discutiez. Discuter des centres d'intérêt. Ça monte, ça monte.
Voilà. Bientôt, on va pouvoir lui parler normal. On y croise les doigts, en tout cas. Avant qu'il aille à son audition, parce que... Déjà, là... Oh là 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 là. Oh, ça va être horrible. Oh là là, ça va être horrible. Il va être obligé de jouer sur son téléphone, sinon, ça va pas aller. Il va être trop tendu pour l'audition, ça craint. Tu vas recréer ton adoration. Célébrité. Faire oui, demander de faire connaître. Elle s'en va! Non, tu peux pas la laisser partir. Ibrahim, tu peux pas. Allez! Amical, il y a déjà des trucs un peu qui changent là. C'est renseigné sur son intérêt. Ouais, on s'en fout, vas-y, parle de Jenna. Non, il s'en va! Fichtre! Audition ratée! Oh, Fichtre! Pff, mais non, non. En fait, c'est tellement compliqué. Mais rediscute avec elle pour une fois qu'on arrive à la choper quand même. C'est pas grave, sinon, on s'y reprendra une autre fois. Ça fonctionne! Ça y est! Ça y est! Ça y est, ça y est, ça y est, on peut lui parler. On peut lui parler normal. Ça y est. Fichtre! Bon, elle est en colère, hein. On va essayer de la calmer aussi. Mais oh! Oh punaise! Ça va super rapide! Ça va super rapide! Mais écoutez, on va y aller, on va habiter avec elle. Oh tiens, Caleb, qu'est-ce que tu fais là? Et on va emmener les gosses avec nous. Hein. On va enfin acquérir cette belle maison qui est la nôtre, qui était censée être la nôtre depuis le départ, quand même. Franchement. Emménager ensemble. La, 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 la. Et voilà, on va vider notre foyer, vendre tous les équipements. Oui. Il y a juste son topissime, peut-être, mais c'est pas grave. Oh! On pouvait la mettre, elle, là. Ouais, elle va bientôt crever, on s'en fiche. Allez, on est parti, on va vivre dans la nouvelle maison. Du coup, on va reprendre une audition. Publicité mousse à salée, c'est parfait. 9h samedi. Bon, ben, on a encore du temps à attendre, quoi. Tant pis, mais au moins, on a la maison. On va y aller, tout de suite. Ah, Octavia est devenue une vieille aussi. Oh là 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 là! Et nous voilà dans notre nouvelle maison! Ok, alors tu sais quoi, mon petit déjà? Tu peux aller quand même oh aux toilettes, tout ça, voilà. Hein? On va te faire venir, on va te faire ça. Donc, toi, tu peux aller aussi aux toilettes et aller dormir. Et toi, bah, viens chez toi. Alors, oh là là, la déco laisse quand même à désirer. Il y a la cuisine qui est là. Ça, c'est OK pour sortir. On a un beau petit piano. D'accord. Toilette très luxueux, très large. C'est un bureau. C'est un salon. À l'étage, nous avons une chambre, deux chambres. Nous n'avons pas de chambre d'enfant. Ça, c'est un petit souci. Et toi, tu vas vouloir dormir. Non, tu vas. Ah, oh. C'est classieux. Bon, un peu trop pour moi, hein. Il n'y a pas d'autre étage. Non. Va falloir qu'on refasse quand même la chambre. Je pense cette chambre-là va être faite pour les enfants. Et Ibrahim ira bien sûr dans ce lit ici. Toi, tu vas te réclamer ce lit-là. Réagir avec dégoût. La maison ne doit pas lui plaire, le pauvre. Et tu n'iras pas dormir. Non, non, tu vas aller dormir ici. Toi. Ah oui, toi, tu vas aller manger. Allez, viens. Et voilà. C'est plutôt pas mal. Nous avons acquis donc notre maison. Certes, un petit peu, on est des filous, hein, mais qu'est-ce qu'il a? Vie prestigieuse, raison caractéristique de terrain, maison de célébrité. D'accord, écoute. Et qu'il est content. Il est content. C'est parfait. Je vais réaménager la chambre pour des enfants. Après, ça fait assez froid, hein, malgré tout. Je veux dire, ça fait des grosses dalles de marbre. C'est froid, le marbre, c'est pas très agréable. Ah, et puis alors, les rideaux verts, tout ça. Je vais peut-être relooker vite fait la chambre. La chambre et la maison, enfin, les deux chambres. Voilà, on va dire ça. Je vous retrouve après. Et voilà, pour le relooking de la chambre. C'est quand même un peu moins... Ça pique un peu moins aux yeux. J'ai vite fait aussi revu la salle de bain attenante.
Et pour les enfants, c'est ici. C'est aussi moins moche. Ça va, elle s'est couchée dans son lit. Et j'ai vite fait revu la garde-robe derrière. Même si de toute façon, ils vont pas vraiment s'en inquiéter. Et voilà. Non, 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 toi, tu veux faire quoi? Ah, il va aller dans la baignoire de son père. Bah écoute, plus c'est vrai que tu n'as pas besoin de dormir, donc profites-en dans une baignoire de Kalitaï. Fichtre! Le fantôme de Judith est là! Oh là là! Elle est en train de nettoyer. Voilà, qu'elle est mignonne. Bon, ben, Judith n'est pas partie de la maison. D'ailleurs, je ne sais pas où est sa tombe. Mais elle doit être dans le coin. Peut-être tomberont dessus momentanément. Comme ça. Ah, mais elle est là! Ah, ben d'accord. Ok, on va la mettre là, au-dessus de la cheminée. Truc horrible. D'ailleurs, elle apprécie de regarder son reflet dans le miroir. Son reflet fantomatique. Rien de tel au bon matin de se réveiller en dansant une petite danse russe, hein? Je sais plus comment ça s'appelle cette chanson. Ta-ta-ta, le tsirtaki, je crois, non? Tout est normal. Hein. Voilà. Wow! Nos voisins nous rendent visite. Mais les voisins, c'est Octavia Moon. Alors, invitez-le ou les voisins. C'est vrai qu'on avait rompu un peu avec elle. Bah, en même temps, c'est vrai que c'était pas très intéressant. On a des bons petits touristes qui passent devant la maison, genre. Ouais, on va voir, essayer de voir une star quand même, ça pourrait être sympa, hein. Hey, salut voisine! Et dire que j'aurais pu habiter avec toi, mais j'ai préféré habiter dans cette maison, tu vois. Ah oui, de toute façon, tu la connais déjà très bien, donc tu vas la remercier d'être là. Tu vas te plaindre des jeunes dans le quartier, quoi. Bon, les enfants sont à l'école, donc tu ne pourras pas les voir, Octavia. Je suis désolée. Il faudra repasser. Mais regardez qui est là! C'est Ryan! Oh, Ryan! Ryan, qui a pris un sacré coup de vieux, hein, mais on peut toujours discuter avec lui. Il nous en veut pas. Oh, qu'il change chouchou. Sauf que nous, on veut plus de vieux, tu vois. Voilà, à un moment donné. Tiens, on va t'enseigner le jeu d'acteur parce que t'es mauvais acteur, Ryan. On te l'a jamais dit, mais t'es vraiment pas terrible. Bon, Ryan, il est temps de se dire les choses en face. On n'est pas fait pour durer, tous les deux. Tu vois, il faut mieux qu'on garde une relation vraiment purement amicale. Pour toi comme pour moi, il le vaut. Voilà. C'était sympa, c'était quand même juste, comment dire, une passade. Ce fut intense et pur et magnifique, mais c'était pas voué à rester. On pouvait pas rester ensemble. Tu comprends? Allez, salut, hein! Bah ouais, t'inquiète, ouais, on s'appelle, on se fait un barbecue. Bon, Ibrahim, tu es beaucoup trop matinal. Tu commences seulement le boulot à 9h. Et encore, c'est qu'une audition, donc. On va te faire bosser un peu. Voilà. Après la guitare, le piano. Pourquoi pas, après tout? Ça t'ouvrira peut-être d'autres nouvelles portes. Bon, il y a du taf encore à faire. Hein. Et en plus, c'est le réveillon du jour de l'an. Ah! Super. Allez mon beau, c'est l'heure de ton audition. Et cette fois-ci, on ne clique pas. Parce que si on reclique une fois, ça annule l'audition. Ce serait dommage. Allez, go. Audition réussie. Vous avez obtenu le rôle de porte-parole des pirates. Allez, tu vas faire un truc de célébrité. Non, alors attends. Ah, je suis pas sur le bon. Si je suis pas sur Ibrahim, je vais avoir du mal à faire quelque chose. Tu vas. Tu vas. Alors attends, j'ai vu plusieurs choses. Étaler sa richesse. Faire pleuvoir de l'argent. Allez, j'ai envie de voir ce que ça donne. Ah ouais! Et si seulement on pouvait récupérer des billets comme ça, moi je vous le dis, ça pourrait être très sympa. Et les gens, ils les chopent et tout. Hein. Attention! Et sinon, on peut faire s'évanouir des fans. Attention! 3, 2, 1. Non?
Ah si, ça y est. Et voilà. Allez, tout le monde est par terre. Pouf, allez, rentre chez toi. Ça, c'est la meilleure chose. Tous ces culs. N'importe quoi. Allez, on a invité toutes les anciennes conquêtes. De Ibrahim, passant par Ryan, Dustin, Vanessa et elle, qui est la seule potable encore et qu'on n'a pas encore vraiment tronché. Hein. Mais bon, moi je dis qu'elle va penser à la casserole celle-là. Ça pourrait être bien. Hein, la jolie là. La jolie Emma Schulz. Tu vas lui offrir une rose, tiens. Ouh là là, ça va chauffer. Mais non, mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais... What? Mais il a été roulé une pelle à Ryan? Je les ai baisés parce que je t'avais demandé. Alors, pas du tout. Du coup, elle avait être du Axe. Bon, ils sont pas en couple. Ils se sont juste fait un bisou, il me semble, dans mes souvenirs. Ouh là 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 là. Ça va pas du tout, Ibrahim. Va falloir que tu te détendes. Que tu te détendes beaucoup. Tu as posté une petite Instagram là pour montrer que tu as des amis et que vous faites la fête, hein, mais voilà. Tandax. Des Tandax même. Allez, un petit repas qui va bien de la dinde et de la dinde. Allez, Chouchoubi, j'ai quand même installé une télé dans cette maison puisque il n'y en a pas dans les Sims, dans la maison de base. Alors que quand même, c'est rare les gens qui n'ont pas de télé. Bon, moi j'en ai pas. Mais bon, ça veut pas dire que les stars n'en ont pas, quoi. Ouah, il y a même des feux d'artifice, j'avais jamais fait gaffe. Bon bah voilà, bon aîné. Bon aîné les Sims, bon aîné Ibrahim, Jenna et Stefan. Voilà, tout va bien. Ouh, le printemps est re-retour parmi nous. Youpi, c'est parti pour le tournage. Il était temps. Et c'est parti pour le tournage. Nous viençons, bien son. Bien sûr, nous faisons tout en risqué parce que Ibrahim est le meilleur. Bravo! Scène numéro 2, s'il te plaît. Tu vas montrer ces fabuleux produits de... Voilà. On sait pas trop, mais à base de perroquets. D'accord, tu t'es pas du tout répété, mais... Enfin, tu dis trois fois la même chose, quoi, en plus. Et le dernier truc, c'est ça, essuyer en risqué. On croise les doigts, mais normalement, ça devrait pas être compliqué, là. Hein. Waouh ! Ibrahim, c'est plus fort. Et nous avons l'or, évidemment. Et nous avons gagné 665 simflouz, c'est nul à chier, ouais, je vous le d'accord aussi. Donc, niveau de l'aspiration, on doit avoir une récompense, mais on en a déjà une. Bon, gagner l'or dans une série télévisée, super, donc en fait, on recommence vraiment depuis le début, quoi. Truc super relou, qu'on a déjà fait, mais bon, c'est pas grave. Série télévisée, donc. On va voir ce qu'il y a. Comment on peut savoir que c'est une série? Premier rôle, ça va faire. Hein. Alors, j'en ai quelqu'un qui a été nécessaire. Comédie musicale. Peut-être qu'il fallait lire des trucs comme ça. J'ai mis la dentelle. Dans cette série, niveau 3 bricolage. Je pense qu'on l'avait raté la dernière fois. Donc, on va prendre ça. Compétence 3 en bricolage. Et en bricolage, est-ce que nous avons. Bricolage niveau 3. C'est bon, on devrait avoir l'audition les doigts dans le nez, 19h lundi. Nous avons un peu plus de 24h. Tiens, tiens, c'est Emma qui est venue avec la maison. On va la flatter, on va lui faire des petites choses, on va apprendre à la connaître aussi quand même un peu. Peut-être est-ce que Emma est la femme de notre vie. En tout cas, de celle d'Ibrahim, parce qu'il a enchaîné les conquêtes, mais
Son cœur n'a jamais su se poser là où il fallait. Ça se passe tellement bien avec cette jeune fille. Vraiment, allez, tu pourrais peut-être t'engager avec elle. Juste un petit peu. Et puis après, vous irez faire des choses dans le lit, évidemment. Là, il y a Judith, elle n'est pas contente, hein, en même temps. Elle a été dans notre lit aussi, celle-là. Ouais, d'ailleurs, c'est très incommodant, je pense qu'elle est là. Ça craint. Voilà, ils sont petits amis. Allez, hop! C'est parti! Je ne sais même plus combien de conquêtes il a pu avoir, ce petit Ibrahim. Mais c'est surtout moins qu'une vraie star dans notre monde à nous. Oula! Oula! Ça avait l'air sympa, dis donc. C'est parfait, Ibrahim. T'as aidé ta fille avec... maintenant, elle a fini son projet grâce à toi. C'est cool. Bon, du coup, toi, tu vas pouvoir aller à ton audition comme un pro. Bravo! C'est parti! Audition réussie! Voilà, 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 voilà. Et c'est pour quand? Mercredi à 9h. Encore le temps d'attendre. Hein. Explorer l'émotion en colère, développer la compétence bricolage. Ok, très bien. Non mais là, ça c'est la meilleure. Qu'est-ce qu'elle fout entre les deux escaliers, celle-là? Ah bah écoute, j'ai envie de te dire, reste-y. Hein, tu ne nous aides pas beaucoup et on t'aime pas et on s'en fout de toi. Donc, bon débarras. Bon débarras, Pénélope. Oh, Mehdi, c'est l'anniversaire de nos enfants. On va devoir faire une fête d'anniversaire. Allez, rentrez les gosses là, avant que la pluie vous prenne ou les paparazzi et les fans, hein, on sait pas. Mais non! Il est en train de crever à ma fête d'anniversaire, lui! Ah, oh, c'est pas vrai! Ah, oh, l'ambiance, je vous jure, bravo quoi! Bravo, super, merci d'être passé, c'était sympa! Ça va être le tombeau de célébrité, cette maison maintenant. Ah, c'est pas possible! Maintenant, c'est Vanessa! Ah, mais ils vont tous crever quoi! Tous ceux qui étaient au début du jeu, après Octavia va y passer et tout. Enfin, ils vont tous crever maintenant, quoi. C'est génial. Super. Bon, bah voilà. On a raté l'anniversaire. L'anniversaire, c'est de la merde. Tu vas quand même mettre les bougies. Et tu vas nettoyer. Et on va quand même fêter les anniversaires des enfants, puisque c'était ça qu'on voulait en premier. Non, mais vous allez pas commencer à faire yesh, hein. Oui, t'as faim. Et bah écoute. Sauf tes bougies, tu vas voir, ça va aller mieux. Ah bah ils sont tous en train de pleurer devant les... Oh mon dieu, le musée de l'horreur quoi. Allez, happy birthday Jenna. Wow, elle est déjà vedette débutante. Ouh, elle est jolie. Allez, sur Dell, on va la faire... créative et en aspiration. Créativité... On va faire peintre extraordinaire, tiens. Hop là! Tiens, ici tu peux mettre les bougies de suite pour ton frère. Elle est vedette débutante, star montante, chemin de la garde. Alors, elle a déjà donc 2 étoiles, rien qu'en étant adolescente. Alors que quand ils sont nés, ils avaient 3 étoiles, il me semble. Tu vas souffler les bougies maintenant, Stéphane, c'est à ton tour. Allez, go! Nés petits ados. Hop là! Et lui aussi est vedette débutante. Il sera donc... il est génie. On va le faire quoi? Génie, génie, génie. Elle va être peintre et lui, il va être quoi? Est-ce qu'il va être... je vais le faire... musicien. Et du coup, tu vas avoir... Amour, tu seras un séducteur comme ton père. Et voilà, les enfants, tu vas appeler à table. C'est marrant, je retrouve pas trop le physique de son père dans Stéphane. C'est très rigolo, c'est très bizarre. Et Jenna, on reconnaît un peu plus sa mère quand même. Ouais. Voilà, les enfants sont devenus grands et il est également star montante. Tous les deux sont stars montantes. À l'aube de la 3e étoile. Je pense que s'ils font quelque chose, ils seront directement 3e étoile. Voilà. Oh là là, maintenant c'est Ryan qui est mouru. Oui, 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 oui. Tous ces amours commencent à mourir les uns après les autres. On dirait qu'Ibrahim porte malheur. Mais non, mais non.
Bon, allez, il va bientôt bosser. C'est parti! Oh mon Dieu, quelle horreur, ce non-charisme! Ah, comme quoi, hein, rien qu'une coiffure, ça peut faire beaucoup. Ben allez, je confirme. Oh, mon Dieu! Ibrahim, tu n'es plus toi-même, c'est horrible. Allez, première scène. En risqué, crier des mots interdits. Croise les doigts, parce que comme il est triste avec la mort de Ryan, ça peut l'atteindre en plein tripant. Oh, il parle pas, son pote? Je crois qu'il est muet. Il est muet, l'autre. C'est très vintage, hein, quand même, le décor. Il s'est embrassé, hein, la scène, hein, en risqué, comme d'habitude. Et encore un garçon, je ne sais pas le nombre de garçons. Ou alors, les Sims se sont dit, oui, tout le monde va prendre une fille pour faire les scènes, donc du coup, ça choque pas d'embrasser autant de garçons. Mais ouais, j'ai pris un mec, moi, bizarrement. Réparons le réfrigérateur qui pue. Oh. Tiens, tiens. Il y a un petit boulon qui a sauté par ici. Une brique de lait, une pizza, du chou. Ah, cette coupe de cheveux, c'est horrible, je m'en remets pas. Dernière scène, il doit faire une blague en risqué. De toute façon, il a déjà l'or, donc même s'il se plante maintenant, c'est pas très très grave. C'est horrible, ses cheveux. Déjà, sans barbe, c'est perturbant, mais alors les cheveux comme ça, c'est pas possible. Yeps! Bravo Ibrahim! Tu es le meilleur! Nous avons l'or! Youhou! Yeah! On a obtenu 1575 simflouz et on rentre chez nous. Alors, pour son inspiration, il suffit d'avoir une récompense. Donc, ça, on ira quand ce sera dimanche, on ira au truc topissime, parce que ce sera directement. Alors, même si on n'est pas nommé, on en aura. Ça, on l'a, et rôle dans un film, eh bien, on attendra d'avoir la récompense, je pense. Parce que là, on n'est que mercredi, et si les topissimes, c'est le dimanche, ça sert à rien! Ouais, topissime, c'est loin, quoi, c'est, voilà. Bon, ça va être loin, ça va être long à faire, mais c'est bien, c'est que les enfants pourront grandir, je vais m'occuper d'eux, je vais m'occuper d'Ibrahim aussi. On va bientôt avoir une nouvelle urne chez nous, grâce à Penelope et Cruz, qui va bientôt rendre l'âme, j'espère, parce que là, vu dans quel état elle s'est foutue, et puis surtout, qu'est-ce qu'elle avait besoin de se mettre là? Hein? Ouais, allez, crève. Ça y est! Ça y est, elle meurt enfin! Enfin, débarrasse-nous le plancher! Espèce de vieille bicoque! Oh là 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 là! Regardez-moi dans quel état elle était. Il fut temps, hein? Et puis en plus, elle avait perdu une étoile. Non mais franchement, mourir dans sa merde, dans sa pisse, et tout ça. Franchement, c'est pas propre, hein. Oh, mais Emma semble porter le fruit de notre amour. Oh Emma, je pense que tu vas venir vivre avec nous. Puisque là, on va pas te laisser seule. Cette fois-ci, on va te vivre avec nous, ma belle. Allez, je pense même que pour Ibrahim, il est temps de s'engager pour de bon. Ça me fait toujours triper. Quand il se passe quelque chose comme ça, hein, tout va bien. Il y avait une paparazzi qui était là. On n'a rien vu. Hein. Oh my god. Mon pauvre Ibrahim. Ton passé sulfureux a dû donner. A dû faire peur à Emma. Oh. C'est parti pour l'audition pour Ibrahim. On croise les mimiches, mais ça devrait aller. Audition réussie pour Ibrahim. C'est cool. Ah, palais raffiné. Pour Jenna, alors bien sûr, je les ai relookés entre-temps, je ne vous ai pas montré. Elle a débloqué le truc palais raffiné. Très bien. C'est bien, ma jolie. Comme ton père. Ouh là 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 là, ça y est. Emma va accoucher très bientôt. Ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. J'ai eu la flemme d'installer un petit couffin, alors du coup, ils nous l'ont offert. Allez, qu'est-ce que ça va être? Tatatam-tam-tam! C'est un petit gars! Donc, bien sûr, il va pas s'appeler Shoes, mais il va s'appeler Saïdi. J'ai pas du tout d'inspiration pour le prénom masculin, quoi. Je vais y réfléchir. Alors, j'ai pas d'inspiration, ce sera Ian avec un I! Et voilà, le petit bout de chou est né! Ah, bravo, Ibrahim!
Ah ben non, mais il est en train de Oh. juste de tweeter. Ok, d'accord. Bon, ben c'était sympa. Merci, merci. Ça, tu peux t'en occuper, s'il te plaît. Il est déjà en train de hurler. Au moins, avec les jumeaux, c'était pas moi à les élever, donc c'était bien. Mais là, on aura la bébé à la maison. Et c'est reparti pour un quatrième enfant! Ah là là, sacré Ibrahim, hein! Qu'est-ce que tu es fertile, mon petit? Quoi? Encore un? C'est pas vrai! Bon, on espérera que ce sera une fille pour avoir les beaux gènes de mademoiselle. Bon, on est allé en avance au studio BTP pour les Topissims qui va commencer. Tant mieux, parce que là, il faut après enchaîner après avec le taf, donc. On va croiser les doigts. On reçoit un prix quand même, sinon. Eh ben sinon, tant pis, hein, voilà. Tapis rouge. Allez hop, viens ici. Dépêche-toi. Ça y est, ça a commencé. Est-ce qu'on va gagner un prix si vite? Bah, il est déjà 19h, mais c'est une blague. Eh ben voilà, on n'aura pas eu de prix. C'est tant pis, j'aurais joué autant de temps pour rien. Merci les Sims. Et c'est parti pour le tournage apocalyptique. De toute façon, c'est juste en bonus, hein, parce que malheureusement, on n'ira pas au bout de l'aspiration. Là, c'est chiant. Voilà, on va pas refaire une semaine. C'est dommage. Ça s'est mal goupillé avec les horaires du boulot, quoi. Et ben voilà, ça commence par une baston. C'est cool. Pa 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 pa. Voilà, tu lui as réglé son compte à cette punk. Bravo Ibrahim. Raconte une histoire en risqué. De toute façon, hein, il a rien à perdre, voilà. C'était au cas où, voilà quoi. Mais comment il peut y avoir une réverb comme ça? C'est les effets post post-tournage et qui sont faits en direct, c'est ça qui est magnifique. La magie des Sims. Ouais. Un petit enlacement, en risqué. C'est quoi qui a... C'est qui? C'est un homme ou une femme? C'est un mec. Super, encore. Et allez, tu vas finir cette série en mourant, Ibrahim. Et ben voilà. Il est mouru. Gapamodou, hein? Mais je suis pas vraiment mouru en vrai, vous le savez, messieurs, dames. Hein. J'adore le décor comme ça. Oh, de ruines, urbex à mort et tout ça. J'adore. C'est super joli. En tout cas, voilà. On a fini le tournage et je ne referai pas une semaine Sims pour avoir la récompense parce que c'est trop. Voilà. Ça aurait dû commencer à 18h, le truc, et pas à 19h. Donc. Tant pis, hein, et on va dire au revoir à Ibrahim là-dessus, et c'est tout aussi bien. Voilà, on a gagné 3232 Simflouz. Et nous voilà donc rentrés à la maison. La maison qui a bien changé nos grands-enfants, tout ça. Peut-être que je continuerai cette partie un peu en privé pour voir le deuxième enfant de Emma. Et Ibrahim, et peut-être aussi les mariés. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous me rejoignez sur Twitter et je posterai sûrement des photos de la continuité du Let's Play. Donc venez me joindre sur Twitter. De toute façon, tous les liens pour me rejoindre sur Instagram, Twitter et aussi Discord, le salon auquel je passe en général quand même pour discuter, c'est disponible dans la description. Donc n'hésitez pas à venir voir et à venir faire coucou et tout ça. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et on peut dire adieu. Attendez, je vais quand même revenir sur lui. Adieu Ibrahim, sauf peut-être sur Twitter. Allez, salut et à plus tard pour d'autres histoires sur les Sims. Ciao.